J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon bilan de l'année 2019. Je sais, on est au mois de mars, je vous ai posé la question, vous avez été vraiment plusieurs hein, à me dire que ça vous intéressait de connaître mon bilan de l'année. Donc c'est parti, je vais vous présenter donc mes meilleures lectures, d'autres lectures qui sont un petit peu moins bonnes. En tout cas, je vais répondre aux combien de questions, parce que j'ai préparé mon petit papier, aux 13 question du tag PKJ, donc adieu 2019, c'est parti. La première question, vos 3 meilleures lectures de 2019. Si vous me connaissez, vous savez ce que je vais vous répondre. Ma meilleure lecture de l'année, ça a été Avec toi m'envoler de Fleur Anna, publié aux éditions Harlequin dans leur collection EH. J'ai eu un énormissime coup de cœur. Pour ce livre, il s'agit d'une romance forcément. On est dans les Golden Boys. Pour rappel, les Golden Boys, ce sont des strip-teasers. Ce tome s'intéresse au personnage de Matt et je crois que je suis tombée littéralement sous le charme amoureuse. Bref, il est génial de Matt. Hein. Clairement, Adeline a beaucoup de chance de l'avoir. Adeline a un petit quelque chose en plus, un petit quelque chose en moins. Si vous ne connaissez pas l'histoire, vraiment, allez la découvrir. Les Golden Boys, c'est une... C'est une saga de livres, on va dire ça comme ça. En tout cas, ce sont des tomes compagnons. C'est le troisième tome qui est sorti. Ils peuvent donc se lire indépendamment. N'hésitez pas, foncez, il est génialissime. J'ai également eu deux autres excellentes lectures qui ne sont pas des romans, donc ça change un petit peu. Tout d'abord, Cache-Lune d'Éric Puybarès est publié aux éditions Gauthier Languereau. Il s'agit d'un album jeunesse et j'ai eu un coup de cœur également pour cet album. On va suivre donc Timoléon qui a choisi d'être cache-lune, c'est-à-dire qu'il a un métier un petit peu particulier. Tous les soirs, il doit cacher une partie de la lune pour que l'on puisse nous voir dans le ciel les différents croissants. Mais voilà, un jour, Timoléon a perdu le comprimé pour aller jusqu'à la lune et à ce moment-là, grosse solidarité entre tout le monde, tous ses amis. Tous veulent l'aider à atteindre la lune avant qu'il ne soit trop tard. J'ai également eu un autre coup de cœur pour un autre album jeunesse. Il s'agit de La Grande Fabrique des mots d'Agnès de Lestrade et Valeria d'Ocampo. C'est publié aux éditions Alice. C'est un album que je me suis procuré à Montreuil et mon dieu, je ne pouvais absolument pas passer à côté. Vous savez, tout l'amour que je ressens, j'ai pour les mots, pour le langage. Et là, en fait, on se retrouve dans un monde où les gens, pour parler, ils doivent acheter des mots, les avaler pour après pouvoir les prononcer. Forcément, dans ce pays, il est extrêmement difficile de s'exprimer et ça pose gros soucis à Phileas qui a vraiment très envie d'ouvrir son cœur à la petite Cybèle. Bref, c'est doux, c'est poétique, j'ai adoré. Et d'ailleurs, rien que de vous en parler, j'ai envie de le relire là, tellement j'ai aimé cette histoire. Ensuite, question numéro 2, vos 3 plus grandes déceptions de 2019. Donc là, ça va être un petit peu moins rigolo. Tout d'abord, j'ai été extrêmement déçue quand j'ai lu Snow de Daniel Page. C'est publié aux éditions Milan. J'attendais vraiment beaucoup de ce livre puisqu'il y avait énormément de choses à exploiter. Moi, quand on me dit Snow, je pense à la Reine des Neiges. En plus, on est dans un hôpital psychiatrique avec une jeune fille. Je me suis dit que ça allait être assez onirique. Enfin voilà, plein de choses. Sauf que finalement, je me suis clairement ennuyée les deux tiers du livre. Au début, le livre commençait relativement bien et puis assez vite, assez essoufflé. Et clairement, j'ai eu un mal fou à le terminer. J'ai également été déçue en lisant Les Nouvelles Aventures de Sabrina, le tome 1 de Sarah Rhys Brennan. C'est publié aux éditions Hachette. Là, pareil, je me suis ennuyée. Alors en plus, comme je vais pas voir la série sur... je crois que c'est Netflix qu'elle est sortie. Moi, Sabrina, pour moi, c'était vraiment Sabrina, l'apprentie sorcière, la gentille sorcière, non, l'apprentie sorcière, je crois. Enfin, j'avais vraiment une image d'elle qui datait de mon enfance. Et là, bah, en fait, ça correspondait à plus rien. C'était plus du tout la même Sabrina que j'avais connue. Je me suis aussi ennuyée dans ce livre, donc bah, clairement, je ne lirai pas la suite. Une autre lecture qui a été assez décevante pour moi, c'est Un appartement à Paris de Guillaume Musso. C'est publié
aux éditions Pocket. Alors moi, c'est un livre que j'ai écouté, donc un audio-livre. Et pareil, je me suis ennuyée pendant plus de la moitié du livre. Pourtant, c'est un thriller qui se passe dans le monde de l'art. Donc bah, sur le papier, ça avait tout pour me plaire. Mais voilà, mon souci, c'est que je n'ai ni adhéré au couple de personnages, ni à la fin. Donc, il reste finalement pas grand-chose. Et malheureusement, ce Guillaume Musola ne l'a pas vraiment fait avec moi. La question numéro 3, forcément, dans un tag PKJ, c'est le meilleur livre PKJ. Alors, j'ai repris les livres lus, donc en 2019, et le meilleur PKJ pour moi, après j'en ai pas lu non plus trop, c'est La vie secrète de Bi de Sarah Wolf. Il s'agit d'un young adulte, on va suivre Bi qui s'oppose au frère Blackthorn au sein d'un lycée, voilà, il y a plein de petites histoires, forcément il y a une romance. C'est du Sarah Wolf, ça se lit super vite. Dans celui-ci, j'ai trouvé que les thématiques propres à l'adolescence étaient abordées, mais qu'il y avait quand même quelques petites longueurs, c'est pour ça que c'est une lecture qui est bonne mais pas excellente. La question numéro 4 sur 13. Le premier livre lu en 2019, alors là ça va aller très très vite, c'était une bande dessinée. Il s'agissait du tome 1 de Lou de Julien Neal, publié aux éditions Glénat. Ça se lit super bien, super facilement et je veux absolument continuer cette série. La question numéro 5, le dernier livre lu en 2019. Je voulais absolument lire une romance de Noël ou tout du moins un livre qui se rapprochait un petit peu, qui se rattachait à cette période. J'ai donc lu Les vœux secrets des sœurs McBride, c'est de Sarah Morgan, c'est publié aux éditions Harlequin dans leur collection EH et j'ai adoré cette lecture. Ça m'a fait penser à leur livre de cet été qui est, je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai mon petit pense-bête, Petite confidence et grande confession à Martha's Vineyard. Là c'est un petit peu le même schéma, on suit une famille, donc on est vraiment dans, je vais pas dire un drame familial, mais voilà, il se passe plein de choses. On est avec trois sœurs qui sont en Écosse. Bref, moi l'Écosse, j'adore, je trouve ça magnifique. Et celui-ci, bah, je l'ai également beaucoup aimé. D'ailleurs, pour la petite précision, le titre anglais, c'est The Christmas Sisters. Avec l'accent anglais, c'est cadeau. La question numéro 6, votre auteur de l'année. Alors, choix très très difficile. Très difficile, je me suis uniquement concentrée sur les auteurs de romans. J'ai pas cherché d'auteur de bande dessinée, de manga ou je ne sais trop quoi. Pour ce qui est des romans, eh bien, je vais vous ressortir ma litanie habituelle, Fleur Anna. Mais également une très très belle découverte avec Cécile Guillot. Voilà, les romans Thorngrove, etc. J'ai beaucoup 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 apprécié sa plume et c'était vraiment une chouette découverte en 2019. Pour la question numéro 7, le livre avec la plus belle couverture. J'ai sélectionné deux livres d'une même saga, c'est la saga de Mortina. J'adore cette série qui a un second degré, suivant que ce soit les enfants qui la lisent ou les adultes. Vraiment, on peut vraiment, vraiment, vraiment avoir une double lecture avec ces livres-là. On suit Mortina qui est une petite zombie. Les livres sont de Barbara Cantini, c'est publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. Vraiment, je vous la conseille parce qu'elle est absolument géniale. La question numéro 8. Une saga terminée. Alors, les sagas, très sincèrement, j'en ai comme ça. Mais j'ai quand même terminé une saga, c'est la saga du faiseur de rêves de Lenny Taylor, publiée chez Lumen. J'ai donc lu La muse des cauchemars. J'attendais énormément cette série, ce tome 2, et ça y est, c'est fait, ils sont rangés dans ma bibliothèque, je regarde parce qu'ils sont juste là au bord de l'étagère. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga, je vous la conseille si vous appréciez la fantasy. La question numéro 9, c'est la maison d'édition la plus lue en 2019. C'est un peu compliqué de compter parce que finalement je ne l'ai pas du tout fait au fur et à mesure et je me suis rendu compte que j'avais lu le plus de livres de chez Harlequin dans leur collection EH. Donc vous l'aurez compris, j'ai lu beaucoup de romances en 2019. La question numéro 10, le livre dont tout le monde parlait, que vous l'ayez lu ou non.
Alors, j'ai lu La librairie des rêves suspendus d'Emily Blaine, publiée aux éditions Harlequin dans leur collection EH. J'ai tout simplement adoré ce livre puisqu'on suit Sarah qui est une libraire et qui voue un culte. C'est même pas de l'amour, en fait, elle voue un culte au livre. Elle tient une librairie dans un petit village. Elle a quelques petits soucis de plomberie. Bref. J'ai adoré ce livre, mais vraiment, c'est tout ce que j'aime en fait dans la littérature contemporaine du feel good. Voilà, moi j'adore le feel good, et là clairement c'était le cas, et je suis extrêmement pressée d'ailleurs de découvrir le prochain Emily Blaine, mais on en parle à la fin de la vidéo. La question numéro 11, c'est le meilleur souvenir lié au livre. Tout de suite, j'ai pensé à Dunkerque, au festival du livre romantique. Voilà, super expérience. Alors moi, tout ce qui est romance, j'adore. Mais voilà, c'était vraiment l'ensemble, le contexte, c'était absolument génial. Et j'espère très sincèrement qu'il y aurait une prochaine édition, parce que c'était une journée topissime. Mais vraiment, vraiment, vraiment. La question numéro 12, le livre que vous attendiez le plus en 2019. Je vous en ai parlé tout à l'heure, il s'agit de La Muse des Cauchemars de Lenny Taylor, publié aux éditions Lumen. C'est le tome 2 de la saga du Faiseur de Rêves. J'avais eu un véritable coup de cœur pour le premier tome, alors que très sincèrement, moi et la fantasy, ça fait plutôt 36. Hein. J'en lis un de plus en plus, mais c'est pas vraiment un genre... C'est un genre que j'apprivoise au fur et à mesure, mais c'est pas un de mes genres préférés. En tout cas, cette saga-là, je l'ai adoré. Je vais peut-être pas non plus recommencer à vous en parler là. Et enfin, on arrive à la 13e question, qui est le livre que vous attendez le plus en 2020. Et j'avoue que cette question m'a posé beaucoup de problèmes parce que j'attends plusieurs livres. J'attends tout d'abord le prochain Emily Blaine. C'est La Crêperie des Petits Miracles. Ça paraîtra le 1er avril. J'attends également Ghost. C'est le tome 2 des Phoenix Ashes, donc la romance Bikers de Fleur Anna de l'auto-édition, qui devrait sortir dans 3 semaines. Donc si mes calculs sont bons, vers la mi-avril. J'attends également le prochain Franck Tillier qui est Il était deux fois, publié chez Fleuve Édition. J'adore Franck Tillier. Tous les ans, j'achète son nouveau thriller que je lis dans la foulée et j'adore. Et enfin, j'attends avec la plus grande, la plus immense, la plus, je sais pas moi, volumineuse impatience, le prochain Jenny Colgan qui est annoncé pour le 9 avril. Donc on y est presque. Autant vous dire que je vais littéralement me jeter dessus. Il s'agit de La charmante librairie des jours heureux. Le titre est tellement, tellement, tellement évocateur. Vous savez, hein, tout l'amour que j'ai pour Jenny Colgan. Donc celui-ci, clairement, en avril, je ne vais absolument pas passer à côté. Le rendez-vous est déjà pris. Voilà donc pour mon bilan de l'année 2019. Peut-être que ça vous aura donné quelques idées de lecture. J'ai regardé également mes statistiques sur Livre Addict, si vous voulez me retrouver... Il faut dérouler la barre d'infos. Et en 2019, j'en suis quand même à 152 livres lus. Alors c'est tout confondu, hein. C'est romans, manga, BD, tout. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. voilà. Beaucoup de chouettes lectures, quelques coups de cœur, et ça c'est vraiment absolument génial quand il y a des coups de cœur. J'espère vraiment qu'en 2020, eh bien, je vais avoir la même chance. Voilà, encore plein de coups de cœur, c'est ce que je vous souhaite également. Là, en ce début d'année, j'ai pas encore eu de coups de cœur, donc j'espère vraiment que ça va venir, parce que ça me manque un petit peu. Vous savez, le moment où on se dit, mais non, il faut pas que je lâche le livre, il est trop bien, j'adore, les personnages sont absolument géniaux, il se passe trop de trucs. Enfin bon, vous savez ce que c'est qu'un coup de cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à venir me voir dans les commentaires. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. Donc à vos claviers, je vous attends. Les petits pouces en l'air également, ça me fait toujours plaisir et c'est super encourageant. Je vous fais plein de bisous. Très bonne lecture à vous et à bientôt. Salut !